Ça, c'est pour toi. Une bonne journée. Eh ben... Allez, pas de repos pour les braves. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Sam, ici Deadman. Une chambre privée a été mise à votre disposition. Cadeau de Bridges. Prenez le temps de vous laver pour éliminer tout ce chiralium. Ensuite, vous me rejoindrez dans le bureau de la présidente. Là, c'est exagéré. Faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche ou vous allez aux toilettes. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Ouais. Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi si, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple, pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux Villes Unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui, et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition. L'élite de Bridges 1. Pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années, mais on a finalement réussi à atteindre la ville relais frontière. Vous êtes arrivé au Pacifique. Incroyable. Oui, mais là-bas tout a dégénéré. L'équipe a été décimée, et Amélie capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontière reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie et leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà ces connards? Homo Demens, des militants séparatistes. À la tête du relais frontière. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tuent des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse. croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville relais centrale? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là, hein? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux chiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau chiral. Emportez-le vers l'Ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous. Ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam! Sam! Ne partez pas! Attendez! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous. De vous deux. C'est pas en recouvrant le nombre de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connecter, reconnecter, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu. C'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux. Je me trompe? Sam. Hein? Écoute, Ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Attends! Bonjour, Sam. Sam, ici derrière Hartmann. Vous avez dormi comme une souche, vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base, douche, toilettes, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspectez votre matériel, consultez des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Salut! On s'est déjà vu, non? C'est moi qui dirige les opérations de livraison, la maintenance et les réparations. Contente de vous avoir parmi nous. Je suis Mama, au cas où je ne l'aurais pas déjà précisé. Ce que vous voyez là, ce sont des liens. Ils ne servent pas uniquement à l'emballage, mais aussi à l'identification. Regardez de plus près, vous verrez. Vous voyez le rouge là? Eh ben c'est votre sang. Le réceptacle éliminera toute trace de matière chirale sur votre combinaison. En parlant de combinaison, la bleue est réservée aux livreurs, la rouge aux services médicaux, l'orange au chargé de l'incinérateur mortuaire et la noire à la sécurité. Sam, ici Deadman. J'ai calibré votre bébé en fonction des données physiologiques qu'on a collectées sur vous un peu plus tôt. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez fait un tour avec, on vérifiera si vous êtes bien synchronisé et on ajustera la sensibilité du bébé en fonction. Envie de dormir. Envie de dormir. Sam, ici Hartmann. Je suis chercheur. Je tente de percer les mystères des grèves, du Death Stranding, ainsi que ceux du Dooms et des rapatriés. Lorsque vous vous soulagez, une petite quantité de matière chirale est évacuée de votre système. La matière chirale peut perturber la sécrétion d'hormones et endommager le système nerveux. Il y a un lien direct entre l'exposition et l'apparition de phobies, voire dans certains cas extrêmes, de pulsions violentes et suicidaires. On pense même que la contamination chirale serait à l'origine de l'apparition du Dooms. Permettez-moi de récupérer un échantillon de vos excrétions pour mes recherches. Elle constitue un moyen non intrusif de surveiller votre exposition au chiralium et votre état de santé général. Grâce à ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. Comment ça va? Alors, vous avez eu le temps de réfléchir? Il est bourré de chiralium, mais c'est sans danger pour ceux qui ont le Dooms. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour reconnecter le monde. Pour tous nous unir à nouveau. Reconnecter, créer des relais, je m'en fous. Je suis un porteur. Je ferai tout ce que je pourrai pour sortir Amélie de là. Écoutez, Sam. Les terminaux que l'équipe d'Amélie a construits dans les villages et les villes qu'elle a traversées en allant vers l'ouest sont ce qu'on appelle des relais. L'infrastructure est là, mais le réseau chiral n'est pas activé. Pour le moment, elle n'a la possibilité de transmettre que des communications vocales, avec ou sans fil, ainsi qu'une petite quantité de données. Alors à moins que les données nécessaires ne soient stockées sur place, nos chiralgrammes ne s'affichent pas. Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez pu voir un peu partout sont des grammes, générés à partir de données locales, au cas où vous ne seriez pas au courant. Enfin bref, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le relais, connecter votre Cupidon et activer les communications chirales. Une fois que vous l'aurez connecté au terminal, vous pourrez initialiser la transmission instantanée de données massives avec le réseau des UCR. Et en une fraction de seconde, vous nous relierez non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre passé. Toutes les données perdues et fragmentées seront compilées et restaurées. C'est un peu comme ramener un dinosaure à la vie à partir d'un fossile. Nous allons retrouver les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre et tout le savoir et les connaissances que nous avons perdues lors du Death Stranding. Voilà comment nous allons procéder pour venir à bout de ce phénomène, Sam. Une fois que vous aurez établi les communications chirales, générer des grammes ne sera plus un problème. Et vous pourrez aussi utiliser les imprimantes chirales. À partir de là, nous serons très vite en mesure d'envoyer toutes sortes de choses sur le réseau. Enfin, rien d'original. Ou qu'il soit doté d'une âme. Rien de vrai. Uniquement des copies. C'est vrai. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin de porteurs comme vous. Il nous faudra toujours des intermédiaires, jusqu'à l'unification, mais aussi une fois qu'elle aura eu lieu. Pas de repos pour les pêcheurs, hein? Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous aurez les détails sur le terminal de livraison. En haut, n'oubliez pas d'aller voir. La marchandise y est aussi. Vu l'état de ces chaussures, vous pensez pas qu'elles ont fait leur temps? Ça vous embêterait si je les jetais? Attendez, justement. Je voudrais que vous regardiez quelque chose. On dirait que mon sang a provoqué une réaction, et c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez préciser? Quel genre de réaction? Aucune idée. Vous m'avez prélevé du sang, non? À vous de me le dire. Très bien. Je vais examiner ça de près. Sam, ici Deadman. Votre objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Vous voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Votre casier privé permet d'entreposer des marchandises ou autres. Sam, les résumés des commandes peuvent contenir des informations essentielles à votre réussite. N'oubliez pas de les consulter avant de vous mettre en route. Sam, pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipement. Celles-ci vous seront d'une grande aide pour franchir les pentes raides, et l'échelle pourra faire office de pont de fortune si vous devez traverser une rivière. Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour apporter cette commande à destination. Commande attribuée. voyage. Sam, vous avez bien vérifié votre équipement ? Non, c'est pas le moment. Ce panneau que quelqu'un a laissé. Vous aussi, vous pouvez en laisser comme ça. Messages, avertissements, encouragements, tout ce qui vous passe par la tête. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Vous savez, même les meilleurs porteurs perdent leurs marchandises parfois. Mais vous, vous êtes le meilleur des meilleurs. Vous êtes capable de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Si jamais vous tombez sur des cargaisons abandonnées, surtout n'hésitez pas à les amener à destination. C'est plus facile que ce que vous croyez. En fait, tous nos paquets sont munis d'identifiants Bridges pour en faciliter le suivi. Et votre Odradec est équipé d'un scanner capable de détecter ces identifiants. En d'autres termes, cet appareil que vous avez sur l'épaule peut vous aider à localiser les cargaisons perdues dans la nature. Chaque paquet représente une promesse faite à une personne dans le besoin. Et cette personne compte sur vous pour le livrer. Merci pour le coup de main. C'est une bonne journée. Beau travail, Sam. Vous avez rapporté des marchandises perdues. N'hésitez pas à les déposer ici pour qu'elles soient traitées. Si vous en trouvez d'autres pendant une course et que vous ne pensez pas pouvoir les apporter à destination, vous pouvez toujours les entreposer. Elles resteront à l'abri jusqu'à ce qu'un autre porteur vienne terminer le travail. Et même si elles doivent passer par une dizaine d'autres personnes avant d'arriver à bon port, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Sam, si vous rencontrez en chemin une paroi escarpée ou une pente raide, pensez à l'échelle qu'on a ajoutée à votre équipement. N'hésitez pas à vous en servir surtout. J'ai hâte de voir ce qu'un porteur aguerri tel que vous va pouvoir lui trouver comme utilité. Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Marchandise confirmée. Merci. Bienvenue dans la capitale relais. Continuez jusqu'au centre de distribution. Sam Porter Bridges. Sam Bridges. Merci bien. Je tiens à dire qu'on apprécie vraiment le mal que vous vous donnez. Travail, Sam. Votre niveau de connexion semble augmenter. Plus votre niveau de connexion augmente, plus vous aurez de ressources à votre disposition au sein de nos installations. Dites, j'ai quelque chose pour vous. Très bien, à la prochaine.